Eh bien, bonjour, chers mesdames et messieurs, pour une nouvelle vidéo en live commentaire sur Battlefield 3. J'adore ce plan. Et aujourd'hui, on commence un nouveau mode de jeu que je n'ai pas encore essayé. Enfin, si, je vais essayer, mais je ne vais pas faire en vidéo. C'est maître d'armes sur la map. Opération maître d'armes. Et je vais vous parler de maître d'armes dans quelques secondes. D'abord, je vais parler d'autre chose. De Aftermath. Aftermath, un truc qui arrive dans 27 jours, je crois. 27 ou 28, j'ai oublié. Et qui va péter le ciel avec son arbalète qui vaut le coup. Pour ceux qui ne connaissent pas Aftermath, c'est un DLC qui, oh, j'ai tué Rosario Maigret. Qui va sortir, voilà, dans 27 jours et qui va faire vraiment un carnage. Avant, les gens disaient, oh, ça va être moche, ça va être nul. Maintenant que les gens sachent qu'il y a une arbalète, ça va être énorme. L'arbalète, je le sens. Même Armor Kill, je sens que ça va être moins bien. Enfin, Armor Kill est sorti. Je pense que Armor Kill ne fera pas le poids contre Aftermath. Non, je ne fais pas de vidéo, Rosario. Non, je suis en train de parler. Non, je ne fais pas de vidéo, non, Rosario. Non. T'as bien des questions encore, comme ça? Non, je fais pas de vidéo. Con, quoi. Et Mais non, mais je fais une vidéo. Ils m'ont posé quelques questions. Ah, l'humour! Je ne connais pas ça. Ah, l'humour, je ne connais pas. Non, si je connais très bien ça. Attends. C'est Dijon P90! Sachant que Maître d'Armes, c'est un mode de jeu où on commence avec l'MP443, puis après on passe à 93R. Et monte petit à petit. Et le mode de jeu, c'est tout simple, je pense que tout le monde connaît. C'est on va avancer avec une arme. Faire deux kills petit à petit. Avancer. Et faire des kills, chaque arme, deux kills. Et à la fin, vous arrivez avec le couteau. Avec qu'un seul kill et l'M320, un seul kill. Enfin, c'est pas l'M320, c'est le GSM320. C'est la même chose. Ah, je passe au 44 Magnum, mon pistolet préféré. Ok? Oui, mais je commence, hein, je peux pas faire. Ah! Lui, il est buggé. Mais comment il est buggé? Ah! En plus, il est buggé, en plus, il cut. Sérieux? Non, mais. Vous avez vu la plus belle chose du monde, là. Le mec, il est buggé, il me fait rétrograder. Sérieux? Non. Je suis, mais politiquement et sérieusement et dialoguement blessé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais voilà, on recommence au MP4, 44 Magnum. Toujours pour souffrir. Oh, je vais tenter de... Oh putain, la salope. Ah, je retire. L'espace de... T'en es où, Rosario? Voilà, bon, je vous ai parlé du maître d'armes, Aftermath, je vous en ai parlé, je sais pas si les gens vont apprécier Aftermath, mais je pense que tout le monde va l'apprécier. Le fait qu'il y ait l'arbalète. Parce qu'il n'y aurait pas l'arbalète, ce serait, ah, P19, PP19, une arme que je ne peux pas supporter. Il faut 50 balles pour pouvoir tirer. Ouais, mais ce truc est incroyable. C'est incroyable, hein, quand même. D'accord. C'est au MP443. Tu te fous de ma gueule. Il vient de me dire qu'il était au espace 12. Ah, t'as bugué. Ah, P90. Ah, ok. Bon, bah, je suis à la P90, moi. P90. Il ne supportait pas que tu étais premier. Bah, si. Ok, oui, non, mais c'est des rageux, ils ne sont pas fair play. Parce que dans notre team, on est tous fair play. Je vous rappelle, hein, pour tous ceux qui ne savent pas, j'ai une team, on est quasiment tous fair play. Même quand il y a des spas 12, l'arme que j'ai en ce moment, on est fair play. Ils nous tuent, on a envie de les tuer, mais on est fair play. On supporte ça. Le seul truc où je ne serai jamais fair play, c'est la 300.
peux pas supporter la 320, mais... c'est hard ce truc. Si tu me fais une bonne côté. La 320, je peux pas. Je peux pas. Il a fait quoi, Flab? Un Flab, c'est un de nos. Non, il était pas fermé. Quand il était dans notre team. Quand il était, il nous a trahis. Enfin. Regardez. Le Spadou. C'est incroyable quand même. Ça fait vraiment. Je vous assure. Ah, bah, je suis avec toi, Yann. On continue, toujours en train de faire le gros carnage. Enfin, je m'en prends plein. Qu'est-ce qu'il y a? Nous en avons. Ah, il a quitté la team parce que. Parce qu'il voulait faire partie d'une autre, je sais pas. Il nous aimait pas, peut-être. Ah, M81. Cette arme, je peux pas la blairer. C'est. Ah, bah voilà. Normalement, l'M81, c'est vraiment de la merde. Hein. Je vous assure, c'est vraiment de la merde. Pour tuer le mec, il faut 3 plombs. C'est horrible. C'est... T'as déjà fait 2 kills au M81? Putain, t'as fait une triple à M81. Le mec a fait une triple à M81. Hein. Je demande. Bravo, je dis bravo. Hein. Ah, bon, bah moi j'ai fait une petite. Je passe à la CWR, une arme que j'adore. Parce que, mon micro vient de bugger. C'est pas passé loin, mais j'aurais pu l'avoir. Bon, c'est pas grave. On continue avec la CWR, et je viens d'avoir une médaille de précision. Je suis plutôt heureux. Ouais! Non, c'est pas. J'imagine le mec, il vient d'avoir un truc qu'il attend depuis 3 plombs. Il fait, je suis plutôt heureux. Il cache la gueule, il cache. Ouh! Il cache sa joie, et puis après, quand il sort, il fait, ouais! T'imagines? Il est, je serais trop con, ça. Bon, on continue. Bon, avec notre team TBGN, si vous êtes avec nous, vous allez voir, on essaye pas de faire des super scans, mais on essaye de plus le rire. De plus le rire. On adore ça, rire. C'est ça, c'est notre truc, la TBGN, c'est rire. C'est notre truc préféré. Rire. C'est... Avec IM, je crois que je me suis tapé le plus de délire dans ma vie. IM799, c'est et le nombre de délires que je me tape avec lui. Et avec Rosario aussi. C'est énorme. Ah, l'aime par interne. Comment je pourrais l'appeler? C'est pas une arme cheatée, mais bon. Pas loin. Ah, je veux le côté, lui. Putain, chier. On m'a tué une fois, là. T'es à quoi? La UG? Ok. Oh putain. Il m'a double. Oh là là. Oh, oh, il fait une de ses suites. Et moi, je suis même pas intérêt, je suis un gros bouffon. Côté de tout le monde. Oui, bon, c'est bon, Yen, c'est bon. T'entends passer tous les niveaux, c'est bon, comme toi. Ne me rage pas. Je suis tout à fait fierté. Non, c'est bon, il est fort. Et moi je filme mais j'y arrive pas là, c'est pas grave. Ah oui, je voulais parler du WXP, j'avais complètement oublié. Aujourd'hui le 31 octobre, il y a 2 jours c'était mon anniversaire, et ben aujourd'hui, c'est le jour du WXP. Et on est avec le 3, une arme que j'adore. C'est ma deuxième arme la plus utilisée. Et pour mon ami, j'ai eu le Dazzle, simplement. J'ai eu le Dazzle, voilà. Et comment dire, le double XP il dure 5 jours, c'est ça. Et en 5 jours, je vais essayer minimum d'être colonel 90, maximum colonel 100. Mais bon, 14 colonels, ça va être chaud à faire en 5 jours. Parce que aujourd'hui c'est fini. Le double XP il a commencé à 15h, donc je n'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir faire le double XP. Donc pendant 5 jours je vais geeker à mort sur ce jeu et pourquoi lui me tue super facilement bordel. Soit parfait. Kiss a atteint le niveau 16. Checkman. Voilà, ça c'est tu vois le coup de stress. Quand il dit ça, c'est qu'il lui faut plus que 2 kills, et bon il a gagné. 1 kill au GF 31. Et un au cut. Et c'est là où tout le monde a peur. J'ai peur en ce moment.
Des fois, quand je me fais cuter par le 17ème, celui qui doit faire le dernier cut, full arrange. Je me confirme sa full arrange. Humaine. Attends, Damien. T'es à quoi? T'es au GNG? Non, j'ai pas envie de trouver. Oh yes, je suis au Skarel. Alors, le Skarel. Le Skarel, bon, bah, c'est comme le Skarel. Rien de plus. Et tout à fait, cette arme est mystérieuse. Cette arme est inventée par moi. Si je dis, bon, fou, là, là, je prends mon truc. Bon. Damien, calme-toi. Le t'imagines, il fait. Oui, moi je suis l'inventeur de la bombe atomique. La bombe atomique de la Scarelle. Putain, je suis vraiment une merde aujourd'hui. Et il est repassé au geste, c'est ça? Mais attends, mais je comprends rien. Ah, ok, il est au code maintenant. Oh non! Putain, la portée va se finir. GNG, mais sérieux, mais. Oh! Purée, mais. Attends, faut que je cut là. Non, putain. Alors, pour... la partie elle se finit vraiment pas bien. En plus, je vais jouer et en même temps supporter ce. J'ai un kilo de Jinji. C'est la troisième arme avant la finale. Mais, je sais pas. Oh, je décharge toute ma colère dessus. T'es OM320! IM est sur l'avant-dernière arme, et je te souhaite qu'une seule chose, de gagner. Oui, je sais pas si méchant que ça. Je lui souhaite de gagner, et que les autres perdent comme une grosse merde. Et les satés, elle fait vraiment chier cette arme, parce que c'est pire que même 81 en fait. Je déteste cette arme. Non, mais il va pas le faire, il va pas le mettre, il va pas le mettre, il va pas le mettre, il va pas le mettre. Quand je te dis qu'il va pas le mettre, c'est toi qui vas le mettre, c'est toi qui vas gagner. Toi, mon ami. Ah, vous avez été promu colonel 86. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Dans ma vidéo, je suis devenu colonel 86. Et voilà. Putain, j'ai colonel 86, j'ai le cutter. J'ai coté le cutter. Je suis allé les saper. Enfin, non, je vais pas coter. Et il y en a plein qui sont au cut là. C'est trop dur hein. On va pas gagner les mecs. Hein. Je suis peut-être colonel 86, mais bon voilà, c'est fini. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo où j'ai passé mon colonel 86. Je suis assez content. Et je suis 8ème. C'est pas mauvais, hein. Sachant que j'étais en retard. Il y en avait déjà, ils avaient déjà passé 3 niveaux. Donc, théoriquement, j'avais presque aucune chance. Il fallait que je rattrape le magnum. Et en même temps, j'ai dû régler les petits problèmes. Et j'ai mal joué aussi, donc. Comme j'ai mal joué, hein, ça m'a pas aidé. Et voilà, colonel 86. Mais moi, ben, je viens de passer colonel 86. Mais ça te fout la rage, hein. J'approche du colonel 86. Oh, putain. Bon, allez, bye. Je vous laisse avec cette vidéo. Bye. Je vous dis à la prochaine pour la suite de ma routine. D'ici demain. Voilà, j'ai fini. Je vous encule tous. T'imagines, elle n'avait pas coupé la vidéo.